Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. La semaine dernière, nous parlions du socle de la pyramide de notre humanité, l'environnement physique, c'est-à-dire la planète et ses conditions de vie. Vous pouvez retrouver cette chronique en replay sur Liberté FM ou sur la chaîne YouTube de Monsieur Green. Aujourd'hui, abordons la seconde strate de l'environnement de notre identité, la culture. Si notre planète a permis l'apparition de l'espèce humaine, la culture a engendré la différenciation de celle-ci. Que nous soyons nés en Argentine, en Irak ou en France, notre représentation du monde, nos croyances, sont différentes, même si la mondialisation économique par le capitalisme engendre, comme craignait l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, une uniformisation de l'espèce humaine. Le mot culture vient du latin colere, qui désigne le travail des champs. Au XIIe siècle, le terme couture apparaît, qui est une transformation du bas latin. Au XIVe siècle, le mot agriculture apparaît et couture devient culture. Cultiver est ainsi semer, produire et récolter. Le cultivé s'oppose à l'inculte. Le mot culture comme manière de penser et d'agir d'une société n'apparaît cependant qu'au XVIIIe siècle, auparavant, il s'agissait de coutumes ou de mœurs. En 1756, Voltaire publie l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Même si le terme « nation » est un terme très ancien, ici il revêt une toute nouvelle signification qui va désormais être couplée à celle de l'État pour penser les États-nations en formation. Une différenciation de langage se fait au XIXe siècle où les anthropologues préfèrent le terme « civilisation » qui vient du latin « civis » pour « citoyen » et « civitas » pour « cité » qui porte l'idée que seuls les civilisés connaissent l'État. Ainsi, l'esprit des nations désigne l'existence de formes de pensée et de conduite spécifiques qui caractérisent tout un peuple et chacun de ses membres. Cette notion de culture spécifique à un peuple peut être maniée politiquement à toute époque, comme par exemple la supériorité allemande sur les autres peuples européens, une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Début XXe siècle, la notion de culture se divise en deux pôles. Culture comme totalité des façons de faire et de penser, et l'autre qui met l'accent sur les croyances, les idées, les valeurs vécues par les individus plutôt que les institutions et structures sociales. Pourtant, l'ensemble paraît faire un tout. Si nous prenons le politique et l'économique d'une société, nous pouvons observer qu'il se retranscrit dans l'éducation donnée aux enfants. La compétitivité, le mérite sont perceptibles dans le système français par la notation des élèves, ou bien encore à l'autre bout du monde, à Singapour, numéro 1 du programme international PISA, qui est le suivi des acquis des élèves. Singapour s'est rendu compte des limites de son éducation et remet actuellement à plat son système suite à une augmentation de 50% du nombre de suicides chez les jeunes entre 9 et 15 ans. Le civisme, la laïcité, la culture du monde, les langues, les mathématiques, le français sont autant de matières distinctives du système français avec une axiologie tout de même politico-économique. Si demain chaque enfant apprenait à l'école que sa consommation rime avec destruction du vivant, de son habitat et de ses conditions de vie, adulte, il serait plus enclin à vivre le monde futur proposé par nos sociétés. En Finlande, une toute autre culture scolaire, pas de notation jusqu'à 12 ans, développement de l'empathie chez les enfants et apprentissage des matières littéraires et scientifiques via le domaine artistique. Si l'éducation scolaire prépare l'humain à vivre dans sa société,
l'histoire, elle aussi, fait partie de la culture permettant l'identification. Notre passé révèle notre présent et nous permet de tracer l'avenir. Faut-il encore avoir une bonne mémoire et surtout ne pas avoir une histoire falsifiée comme la cancel culture chinoise qui permet de réinventer un passé et ainsi de modifier la conscience de ses citoyens. L'histoire paraît essentielle pour comprendre les événements et essayer dans le futur de les modifier. Cependant, lorsque le dernier vivant d'un événement disparaît, il semblerait que la mémoire émotive liée à cette histoire disparaisse également, démontrant l'incapacité humaine à conserver émotionnellement des événements dont nul de ses contemporains n'y a été exposé, le menaçant ainsi de reproduire les erreurs passées. Ainsi, notre identité culturelle regroupe tous les contacts sociaux que nous pouvons avoir avec les structures étatiques et les lois. D'autres institutions cultivent notre individualité, comme les arts, cinéma, peinture, musique, conte, danse, théâtre, et j'en passe. La mise en place d'un cadre de droits et de devoirs permet ainsi d'inscrire chacun sous un même régime, bien évidemment, lorsqu'aucun passe-droit n'est décerné. L'ensemble culturel qui forge notre identité permet ainsi une cohésion sociale autour de valeurs communes comme par exemple la devise « liberté, égalité, fraternité » tirée de notre histoire. Cependant, force est de constater que la culture évolue également par la modification politique, économique et technique des États, qui sont désormais tous imprégnés de la notion de progrès, cette notion qui inscrit l'homme dans une quête interminable du mieux, par le travail rémunéré, outil de la propriété et du développement de la richesse individuelle, ou à contrario, pour les plus démunis, les exclus, une vie de galère proche de la survie. Pour contraster avec la semaine dernière et l'environnement physique de nos conditions de vie, nous constatons que le paradigme humain mis en place est complètement en désaccord avec l'idée première des besoins essentiels à la vie, eau, air, habitat, équilibre écologique, puisqu'ils sont sans cesse détériorés pour assouvir notre désir de progrès et de grignotage prédateur. Nous suivons ainsi en masse une manière d'être culturelle qui nous lie en communauté autour de gouvernants. Cette façon de créer société n'est pas nouvelle et met en opposition systématique l'autre, celui qui ne vit pas comme nous. Le besoin de sécurité inhérent à la vie en communauté est le principal obstacle à la paix de l'humanité. Apprécier l'autre par ses différences permet d'affirmer qui je suis. Ce travail de différenciation s'effectue au quotidien et nous sommes généralement en capacité aujourd'hui, avec la mondialisation, d'accepter les différences comme des découvertes agréables. Prenons par exemple le cas de la nourriture, avec le kebab, le chili con carne ou encore le hamburger. Nous avons plus de difficultés cependant à apprécier la diversité lorsque nos mœurs sont impactées, mettant à mal l'édifice sur lequel nous avons été élevés par notre éducation et par notre société au niveau moral et éthique. Toutes les diversités culturelles aux quatre coins du monde sont d'une richesse intarissable en termes d'échanges, d'apprentissage, de connaissances et de respect réciproque. Je ne peux que vous inciter à lire des livres d'anthropologie. Effectivement, avant tout, créer une société équilibrée commence par la connaissance de l'homme dans sa diversité et profondeur cosmologique. La diversité est la source de notre humanité. Cependant, tout permet actuellement d'affirmer que l'uniformisation de l'humanité, obtenue par le système capitaliste, tend à complexifier de manière inégalée la technique, les échanges et le nombre d'intermédiaires. Elle engendre impacts environnementaux et ne permet plus une lisibilité de notre monde. Lorsque j'étais enfant, j'allais chercher le lait à la ferme, directement de la vache à mon récipient. Aujourd'hui, le lait est acheté en grande surface. Cela paraît anodin, mais la multitude d'intermédiaires actuels ne permet plus une simplicité de lecture et surtout ne permet plus d'observer la source directe de ce que nous possédons. Nous détournons des impacts toujours négatifs de nos actions consuméristes. Le rôle essentiel de la nature est ainsi chassé de nos imaginaires. La technique ne sauvera pas le monde, et au pire, sauvera une poignée d'humains pour quelques générations. Aussi, l'IA ou l'intelligence artificielle, celle qui surpasse les capacités humaines rendant l'homme obsolète dans toutes les tâches qui lui étaient dédiées,
ne sauvera pas non plus l'homme. Elle est et sera utilisée non pas pour anticiper les crises, chose que nous savons déjà penser, mais bien pour suivre la marche du progrès, de l'homme et des profits, et donc d'un monde au bord du burn-out où la gestion des populations devra être rationalisée, comme nous pouvons déjà l'observer dans le système français avec la rationalisation des services publics par la dématérialisation. Si nous sommes fiers de notre culture, il faut toujours penser l'autre, les autres cultures, comme une invitation au voyage, au dépaysement, à la découverte. La culture n'est comme toute chose humaine, créatrice et émancipatrice, que parce qu'elle peut être partagée et discutée. La culture forge notre identité citoyenne, elle est aujourd'hui partout, autour de nous, et rares sont ceux qui peuvent s'y soustraire. Dans les campagnes, peut-être. Cependant, l'invasion numérique n'épargne plus personne. Comme toute influence de milieu appliquée à l'homme, celui-ci s'adapte, se modifie, et les décennies qui suivent annoncent une modification cognitive, une autre façon de vivre le monde, conformément à ce que la notion de progrès a toujours suggéré, une amélioration de l'homme. Après ces deux environnements cruciaux sur le développement de notre identité, que reste-t-il à notre individualité, à notre spécificité? Sommes-nous si libres que nous le prétendons? La myriade de potentialités qui nous est offerte n'est-elle pas le mirage créé par notre environnement biologique et culturel? La semaine prochaine, la dernière étape de notre voyage dans les strates de notre individualité, avec nous-mêmes, individus uniques, spécifiques et pourtant incarnant la totalité de l'humanité à la fois. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, pur délire. J'ai trouvé ça. Voilà, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green, aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, tu vois? Mais tu vois le Green, absolument. Green, plus Green.